Boutithérapie. Boutithérapie. Une boutithérapie, comme on appelle ça, c'est-à-dire une thérapie des fesses. Qu'est-ce que ça veut dire ? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mauvaisettes. Boutithérapie, de l'anglais butt, cul, pourrait se traduire par thérapie par le popotin. Elle désigne un twerk, une danse suggestive à base de mouvements du bassin, pratiquée collectivement dans un but curatif. Samedi à l'Élysée-Montmartre, à Paris, les écologistes ont lancé leur campagne des européennes avec une boutithérapie. Pour exciter la curiosité médiatique, l'état-major avait donc organisé une séance de boutithérapie définie ainsi par sa chef. Une revendication du fait de s'assumer tel que l'on est, d'accepter son physique, d'assumer son histoire, d'appréhender ses émotions et de les libérer dans un espace sain et safe, entouré de personnes bienveillantes. Séquence de développement personnel à la douceur myrlène, raillée jusqu'au tréfonds du parti vert. L'événement contient pourtant une dose massive de politique. Le soin par la fesse est né dans un cours de danse parisien il y a 25 ans, au hasard des efforts de reconstruction d'une chorégraphe qui a recensé une centaine d'agressions commises contre son corps. Au Monde, elle avait détaillé l'excision à 4 ans, les viols infligés par des petits amis et par un proche de la famille, les attouchements d'un pilote en plein vol Paris-Bamako, ceux du prof de saxophone, du moniteur de colonie de vacances, sans compter le bain de farine pour se blanchir la peau et échapper aux injures racistes. La résilience est venue par la danse. Sensible à la puissance thérapeutique des danses à mouvement du bassin, elle expulse ses traumas à coups de rein. Ce bouti, dont les hommes ont fait sa croix, devient son salut. Depuis, plus de 12 000 Européennes pratiquent la boutithérapie, où un temps de parole permet de raconter les violences subies avant d'onduler du fessier. Une belle histoire de...